C'est avec des airs de musique afro-américaine que le Festival du Pays Briard ouvre sa saison. Les Gospels French Voices ont offert une belle représentation en danse et en chant à la salle polyvalente d'Esbly, comble pour l'occasion. Le gospel traditionnel a démarré, au démarrage c'était dans les champs avec les esclaves, dans les champs de coton. Ensuite, ça s'est transformé en negro spiritual et de là on a le blues, on a le gospel actuel, mais on reprend toujours de toute façon les traditionnels. Le niveau quand même du Festival Briard est assez haut, la barre est très haute. Et donc, M. Martin nous ayant apprécié, nous a redemandé de venir. Ça veut dire que notre prestation a été au niveau. C'est ça la particularité du Festival du Pays Briard. Offrir des concerts de très grande qualité avec des représentations des meilleurs musiciens et chanteurs professionnels existants. Alors, le chœur que nous allons voir ce soir est un chœur, je vais dire, semi-professionnel. Pour la raison suivante, au départ, on a un chœur amateur, mais il est encadré par des professionnels. Leur chef, Xavier Béraud, est exigeant et leur demande de faire des efforts. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a une éducation pour leur permettre d'atteindre un niveau qui soit un niveau, j'allais dire pour nous, respectable, mais qui en même temps est un niveau professionnel. Et quand nous invitons ou quand nous avons des artistes, nous leur demandons et nous les choisissons dans le top niveau. Grâce à ce gage de qualité et à une accessibilité au plus grand nombre, le festival fait salle comble à chaque concert. Prochain rendez-vous du Festival du Pays Briard, au mois de mai à Lomperrier, pour une rencontre d'harmonie en fanfare.